Attention à la marche, monsieur. Merci, Xavier. Oh là 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 là, zut. Pas enfin, Gérard. Qu'est-ce que tu fais à genoux? J'ai demandé un café, mais je suis retourné à mon bureau pour prendre mon chapeau. Et alors? Bah, j'ai oublié que mon café était prêt et j'en ai redemandé un autre et... Et le gobelet du deuxième est tombé dans le gobelet du premier que t'avais pas retiré et tout le café s'est retrouvé par terre, c'est ça? Bah oui. Alors je nettoie. Ouais. Quel empoté d'ici des mois. Francis, calme-toi. Ça sert à rien de s'énerver, tu le sais. Non mais tu ne le vois pas tous les jours, toi. Tu subis pas tous ces oublis et ces étourderies. Écoute, j'admets que ça puisse être irritant. Mais parfois, il faut savoir prendre sur soi. Et tu veux bien t'asseoir et arrêter de martyriser mon moquette, s'il te plaît? Pardon. Jimmy, rends-toi l'évidence. Je veux bien que ce soit l'ancien du service. Mais il faut que tu agisses, là, pour le bien de l'équipe. Bon, Francis, il va falloir surtout se calmer et arrêter d'exagérer les choses. Moi, j'exagère. Je vais te montrer si j'en fais trop. Suis-moi. Francis, t'es ridicule, là. Non, viens, j'insiste. Là, tu le vois? Regarde-le. Eh ben quoi, il nettoie. Ça arrive à tout le monde de renverser son café, Francis. Non, t'as pas saisi. Il fait ça quasiment tous les jours. Il oublie toujours qu'il a commandé un café. Et il s'en sert un deuxième. Oui, bah, il a un peu tête en l'air, quoi. Mais... Attends. Non. Non, pas un troisième. On s'en sert un troisième. Ah. Oh non. C'est pas possible. Bah, il va encore nettoyer. Oh, c'est pas possible. Salut, c'est bien le service gestion ici? Ouais, bienvenue. Bon, j'ai besoin du dossier numéro 01Y584. S'il vous plaît. Ah non, on n'est pas gestionnaire nous. Hein. Nous on est juste les... Ah ouais, c'est vous les trois connards. Les trois connards du couloir du service gestion. Ouais, on m'a parlé de vous. Sinon c'est cette porte le service gestion. Par là, ouais. Bonne journée. Ouais. Allez, casse-toi. Bonjour. Ah oui, bonjour. Salut. Alors, j'ai besoin du dossier 01Y584. Mm-hmm. S'il vous plaît. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Dis-moi, tu serais pas nouveau, toi, par hasard? Peut-être, mais je suis pas d'humeur à discuter. Merci. Ok, c'est toi qui vois. Ah, je vais noter le numéro de votre dossier, ce sera plus pratique. Bonne idée, oui. C'est le numéro 01Y584. 584. Merci. Bon, bah, j'y retourne, hein. Allez. Ouais. Bon, du coup, t'attends ton dossier, toi aussi? Non. Moi, je suis simplement posté à un emplacement stratégique. Un emplacement stratégique? Oui, tout le monde passe par ici dans la semaine. Ce qui me permet d'être au courant de toutes les nouvelles de la boîte. Tu vois le genre? Je suis le service potin des Vienco. À ton service. Le service potin? Oui, le directeur a estimé que c'est essentiel à la vie d'une entreprise. Du coup, mon travail, à moi, c'est de marchander des potins. Et puisque tu es nouveau, je vais exceptionnellement t'offrir un potin cadeau. Ouais, je t'écoute. Ok, t'as déjà entendu parler des gars de la com? Pas encore, non. C'est un des services phares des Vilenco. Bref, il paraît qu'un des employés de ce service était une star hollywoodienne quand elle était encore vivante. Et qu'elle tournait pas que dans des Disney, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et apparemment, elle traîne souvent dans les locaux des RH. Ah, pas mal. T'en as d'autres des comme ça? Non, attends, je crois que t'as pas bien compris. Les potins, ça se donne pas. Ça s'échange, ça se marchande. Comment tu veux que j'entretienne mon affaire, moi, sinon, hein? Je t'ai fait une offre de bienvenue, mais maintenant, si tu veux un potin, va falloir m'en donner. Hein? Ah ouais. Tu connais Francis? Évidemment. Bon, on dit qu'il cache dans son tiroir de gauche son porno préféré. Non! Pas au bureau, quand même! Crois ce que tu veux. T'as autre chose pour moi? Ouais. T'as pas encore rencontré toute l'équipe des RH. Ah bon? Il manque une personne qui reviendra de congé la semaine prochaine. Et tu verras, ça... Ça n'a rien à voir avec le personnel que t'as rencontré jusqu'à là. Comment ça, ça n'a rien à voir? Et voilà pour vous. Ah, merci. C'est pas le bon dossier.
Ah, j'ai dû me tromper alors. Sandek. Vous pouvez me redonner la... C'est bon, je repasserai. J'ai un autre connard à voir de toute façon. C'était un plaisir de traiter avec toi, le nouveau. Ouais, pareil, à plus. Evil Go. Bon, alors, j'ai bien reçu votre mail. Mais vous savez, je suis nouveau ici et je connais pas trop les gens. Et là, tout de suite, j'ai envie d'une seule chose, c'est de rentrer chez moi. Vous cherchez des scoops? J'en ai un pour vous. Francis cache un porno dans son tiroir de gauche. On dit même que c'est son préféré. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée. La porte. La porte, s'il vous plaît. Merci.